Hey, what's up les potes? Bienvenue sur cette vidéo. J'espère que vous allez bien. On se retrouve sur les Seigneurs de Fer et on va faire notre toute première nuit noire. On n'a encore jamais essayé et du coup, je suis en compagnie de Lady Salut tout le monde. et de J-Cab, Yo, yo, yo. alias Jérémy Cabinet. Ah, Donc, ah, du go, coup, c'est parti, on va faire la nuit noire. La nuit noire, c'est le nouvel assaut, donc c'est le mauvais œil. Dégâts cryoélectriques. Avec du coup castagne, donc les dégâts de mêlée sont augmentés. Et voilà. Après et on va se exposition, coacher. tout ça, bon allez c'est parti, on va essayer. On va voir ce que ça donne. On sait pas si on va y arriver ou pas. On est alors au niveau de lumière, 360 conseillers, on est tous au-dessus. Donc 363, 64 et 65. Donc normalement, ça devrait aller. Mais ça va être tendu quand même. Hein. Ça va être, je pense que ça va être tendu. Je sais pas combien de temps on va mettre, on va regarder. Mais Le mauvais œil, celui avec l'ogre là. Ouais. ouais. En fait, tout à la C'est fin, génial. il va vraiment falloir faire attention au collecteur. Exact. Perso, je reste en assaillant pour le moment. Si vraiment on galère sur le bas, je passe en bulle. Moi, j'ai Bah, je pris la prendrais vie, hein. Maria aussi si on galère trop. Tu mets Béné, non? Ouais, bénédiction, ouais. J'ai besoin. On va voir ég également si le loot peut être intéressant. On se souvient des loots en nuit noire qui étaient franchement. La nuit noire, c'est. C'est là où tu lootes mieux en assaut épique qu'en nuit noire, limite, tu sais. C'est 10 fois plus hardcore. Vous pouvez passer sur le côté gauche, hein. Vous êtes au Ah ouais, je courant. les tue un peu pour voir en fait la résistance. Pense que ça a piqué. Il y a un skiff qui est arrivé. Donc, arme cryoélectrique. Moi, j'ai pris la super cellule Zalo. J'ai eu l'aube du diable, nouveau sniper exclusif à Fogoth, à Sepix. Et à cet assaut-là aussi, je crois, d'ailleurs. Et du coup, j'ai eu un lance-roquette aussi, comme ça, cryo de l'avant-garde. Je pense que ça va être pas mal pour faire pas mal de dégâts. Du coup, on la tempo à mort, on essaie de rester en retrait à fond et tout. Ouais, bon, bah. Là, je pense qu'au début, on peut avancer un peu quand même. Après, en vrai, je pense qu'on a le niveau de lumière largement. Hein. Je pense pas qu'on va. On va voir. Chevalier one-shot, hein. Ah, là, tu m'étonnes. Ah, puis il faut attendre les 20 secondes, c'est vrai, j'avais oublié ça. Ah ouais. Eh bien, je peux m'auto-réa au bout de 20 secondes ou pas? Non, Mais on doit sinon, te dans réa, ce je cas, crois. avancez, hein. On doit te réa, on doit te réa. Là, vaut mieux prendre notre temps. Hein. Non mais je t'en prie. Argent, Timothy de T-Bag. teabag. Mais genre je t'ai teabag. Je t'ai teabag? Ah ouais, je t'ai teabag un paquet de fois en fait. Bah Ah Elle est dit, je crois qu'il y a ton micro qui est un tout petit peu trop sensible. T'as dû faire un commentary. exact, ouais. Attends. Est-ce que c'est mieux? Oh. Je fais des tests de micro. Hein. C'est pour ceux qui vont regarder la vidéo, si on la met sur YouTube, ils vont se dire qu'est-ce qu'il fait. On prend les lourdasses. Bah, je vous avais pris. Mon perso, je les ai pas prises. Oh là là, ah ouais, y a un collecteur. Ah, vous êtes parti à droite? On avait commencé à ouvrir un peu à droite, mais t'inquiète, je suis là. Bien joué. Je pense qu'il y a du monde vite fait. Tu me dis quand t'es réanimable? Ah, ce qui est bien dans les assauts épiques, c'est que tu peux lancer masse de grenades cette semaine. Dans 4 secondes. Prends trop de dégâts. Derrière toi. Olé! On a failli y passer là? Eh bien, Jacob. En fait, vos trucs, hein. Ils m'ont fait flipper.
peux arriver en scred, tu sais, en marchant comme des crabes. Ok. Nickel, le deuxième. Plus on récupère le petit Nubi au passage. Oh. T'es de la mâchon, j'ai glissé, chef. Ah bah bien sûr. Ouh, ça pique. Tout le monde peut aller à la porte, je crois. Ouais, par contre là, je pense que ça va être un peu le vénère quand ça va. Ouais, moi je vais voir un rocker déjà. J'ai claqué une roquette, je crois. Les diables symbiotiques ont fortifié cette entrée. La résistance est plutôt tenace ici. Je suis fait gaffe aux tourelles après. C'est les tourelles qui vont faire mal, je pense. Donc il y a un capitaine Pierre aussi là. Il n'y a pas de tourelles. Ah si. Il y en a pas, ouais. Si, il y en a. Il y en a, il y en a. Plusieurs modules alimentent un autre obstacle. Mais je n'arrive pas à les localiser. Les données sont trop faibles. Ok, faut qu'on trace parce qu'elles vont se réveiller. Trouvez ces nodules, détruisez-les et continuez à avancer. Moi je suis VG capté, il va dans le mur. Allez. Moi, je suis lâché. Non, ça pour l'instant c'est pas bon, on est tous morts une fois, mais. La faux clean. Est-ce que vous avez besoin de spécial? Non, je suis full. Ok, j'ai pris un. Nous approchons d'un nodule, plus il est facile à localiser. Ah, c'est haut. Putain, je cherchais en bas, moi. Je suis en train de regarder en bas, tu sais, faut aller où? Oh, le mec. On dirait que les symbiotes occupent cette salle d'incubation. L'architecture bio-organique de la ruche est intacte. Mais je détecte des émanations d'aria un peu partout. Venez pas. Pour survivre. Une telle invasion d'un nid de la ruche montre à quel point l'aria les a transformés. C'est ici, hein. C'est bon. Très bien. Je détecte toujours de puissants signaux émanant de l'aria. Il doit y avoir un autre nodule. Non. Tomber dans le vide comme une merde. Oh, vas-y, je vais le réagir, je vais attendre. Non, le pire. Oh là. Tomber dans le pire. L'architecte en verra. Allez. J'espère qu'on va avoir du loot quand même, ça serait canon. Ouais, franchement, je préfère avoir un loot que je sais pas, des pièces étranges ou quoi, là ça va me saouler. Ah bah ouais, au boss final, les collecteurs ils auront un bouclier. Vous êtes la seule chose qui puisse nous protéger du grand prêtre. Vas-y, je prends les lourdes. Ok. Vas-y. Faites gaffe, la prochaine salle c'est que des couteaux et lec. Crio. Non, c'est le boss là. Ils sont descendus après, ouais. Ça va. Hein. Allez. Je me demande ce qu'ils sont prêts à nous faire subir à nous. On dirait que vous êtes sur le point de le savoir. Attention, gardien. Là, par contre, j'ai ma bure.
Alors, celle-là, c'est la bonne. Il est surtout allé dire. Non. C'est dans mon menu. Je savais même pas que vous aviez relancé en fait. J'ai relancé direct. Ouais, ben. Pas grave, c'est le début. Ouais, il me reste 5 secondes. Mais par contre, venez pas, il est sur moi. Faut qu'on shoote un peu pour qu'il bouge, quoi. Là, c'est bon. Ok, let's go. Oh là là. J'ai pas vu que j'avais lock sur les côtes. Fais gaffe, les gars. Faites gaffe, leur arrive. Peut-être les collecteurs, là. Mais il fait ça, c'est qu'il y a les collecteurs qui retournent au milieu. On reste trop dans le même coin. Ouais, on est trop dans le même coin. Il y en a qui ramènent log vers nous. Arrêtez de toucher au mob parce que ça va spawn à mon avis. On va attendre de réagir cab avant de continuer le DPS. Collecteur. C'est pas moi qui est mort. Il y a collecteur. Il y en a plein au milieu. Faut que tu clean les collecteurs, J-Cab. Il y en a plein au milieu des collecteurs. Voilà, ouais, mais j'ai lock sur la gueule. Bien, ouais, pareil. Ah, bien joué. Il y a un collecteur juste derrière là. Je suis un log. Si vous DPS dans la bulle, vous êtes foutus tous les deux. Il y a encore des collecteurs. J'en ai vu un, je sais pas où il est là. Je crois qu'il y en a plus. Il est enragé. Oh non, l'autre il va dans la bulle. Ah, je regarde Lady. Bah, j'essaye. Mauvais plan. Ouais, il y avait bénédiction. Oh là là. Ouf. Ça veut dire qu'après il va y avoir une vague de vandales aussi. Hein. Ok, là j'ai des lourdes. Alors, il me lâche plus cet enfoiré. Oh, j'ai les deux sur les côtes. Vandale, vandale, vandale. Non, j'ai l'ogre. Mort. Je suis pas mort. What? L'ogre, il est tout le temps collé à moi, je le vois sur le radar, c'est ouf. Le boss est bientôt mort. Hein. Je l'ai tué. Ah, GG. Il laisse ça bien. GG, les gars. Attention à l'ogre qui reste. Quel bazar. Le grand prêtre ne cherchait pas à bâtir une armée de membres de la ruche, mais juste à utiliser différentes parties de leur corps. On va voir si c'est du bon loot là. Ouais, de la merde. Ça monte pas à mon niveau de lumière, moi, perso. Ah, moi, un petit peu. Quelles sont les autres horreurs que préparent les symbiotes ? Ouais, j'ai rien eu de bien. J'ai rien eu de bien. Si, moi, ça va monter un petit peu, mais pas non plus exceptionnel, quoi. Peut-être là, on va peut-être avoir un petit truc. Un, deux, go. Oh, t'es sérieux? Oh, t'es sérieux? 368 le match. Oh là là, c'est pas. C'est quoi cette carotte? Je fais 110 frags! Putain! J'avoue.
Ah sérieux? Ah je suis 365 depuis... trop longtemps là, j'avance plus. Eux ils ont des trucs. Ah bien joué. Oh, ça vénère, 20 pièces étranges, putain. Ouais, t'as eu un pompe en plus. La dernière cartouche fait plus En plus, il est de bien ton pompe. dégâts. Putain. Il est pas mal, ouais. Bravo. Ah, désolé, Bah bien joué, bien joué, bien joué. C'était la première heure. Franchement, on a pas galéré. Enfin, on a un peu galéré, on a fait quoi? Le boss, on l'a tué au bout de la troisième fois. Bon, ça va, ça s'est bien passé. En tout cas, bah merci à ceux qui ont regardé cette vidéo. Les potes, n'hésitez pas à nous dire si vous avez réussi à faire votre nuit noire ou pas. Et si, oui, quel a été votre loot? Vous voyez, nous, franchement, deux bons loots, hein. Franchement, pour GKB Lady. Deux bons loots, dommage qu'il n'y ait pas eu le troisième pour moi, franchement. Enfin bref. Dommage pour toi, je suis dégoûtée pour toi. C'est pas grave, c'est le jeu. Bah en tout cas, bah merci GCap d'avoir participé à cette nuit noire avec nous. Hein. Vas-y, de rien. Et puis bon bah à très bientôt les potes. Ciao, ciao. Ciao.